fais le cash toi. Tu vas te faire allumer. Licote ta mère en balle. On est très organisé. Posé dans mon 9-3. J'suis posé dans mon 2-3. Et il est plus gens, c'est Neos. Du coup, on se retrouve sur Senacraft LP1. Il y a pas mal de trucs de bail, de trucs que je comprends pas tout, mais vous allez capter. On va faire un peu le tour. Je suis pas là pour vous faire une présentation ou je sais pas quoi. Je vais vous montrer le serveur. Il a open, je crois, vers 18-19h. Un peu en late, mais. Enfin, de toute façon, nous on s'attendait pas à être les premiers dessus, on s'en battait un peu les couilles, on voulait juste jouer quoi. Là, il est 2h du mat, comme ça je vous fais un peu le point des quelques jours, enfin des quelques heures MDR, quelques jours. Du coup, j'ai toujours pas le grade partenaire, mais je pense que ça va arriver. Enfin, il voulait que je poste une vidéo, moi je savais pas les bails, mais du coup, vous aurez une vidéo, comme ça c'est carré. Comme ça, vous savez que nous on va jouer sur Senna. Pour l'instant, c'est carré. On n'a pas été PVP, on n'a pas été test, il y a trop de trucs, je comprends pas, on dirait, enfin, wesh, le wiki, si tu vas là, il y a des trucs, mec, il y a trop d'items, il y a des espèces de totems, la mort, là. Ouais, des trucs bizarres, wesh. Enfin, bref, il y a des bails. Du coup, comme vous voyez, j'ai des ailes, c'est un vieux cosmétique, c'est des ailes bien fat, bien larges, enfin, bref, vous avez capté le délire. Et j'ai un espèce de familier, là, en haut à droite, là, ouais, peut-être un peu bizarre. Hein. Le familier est 7,50€, mon pote. Hein. Il a intérêt à être chaud patate, lui. Hein. Y a des bails de niveau, là. Je suis niveau 11. Enfin, j'ai pas vous mytho. Qu'est-ce que j'ai fait depuis le début? C'est on a créé la fac. J'ai acheté des kits, des machins. Enfin, vous voyez, j'ai des kits, des machins. Et j'ai déminé. J'ai déminé en balles. Genre vraiment beaucoup. Je vais vous montrer. On va aller au spawn. Déjà, j'ai ça. J'ai la chong chong. Big pioche du terre-terre qui mine en 3x3. Enfin, c'est. Moi et Warzone en a une. Ça déboule sa mère. Si tu vas tout droit, oui. C'est la pioche de Dre pour ceux qui connaissent Nexion. C'est une scène de machin. Moi, j'ai tout ça dans mon essai. Du coup, je suis niveau 11. Enfin, on gagne un niveau jusqu'au niveau 54. Enfin, il y a pas mal de bails. J'ai un ticket nébuleux. Là, on est en train de se farmer un stuff. Là, je me suis déjà farmé un petit stuff à Xenith. Je connais pas encore tous les bails. Hein. Je sais pas où toi. Avec Zenith, on est en train de stacker aussi les bonbons émeraudes, c'est des bonbons de Hast, comme ça nous on pourra, logiquement, apparemment, on peut Hast plus cette pioche. Enfin, autant vous dire que je pense que je peux courir en speed 2 et miner. On verra. Alors, on verra. Je vais mettre ça là-bas dedans. Ah, ça fait un bouc en ces caisses, wesh. Ouais, bref, on va retourner au Home Sky. Hop. À vrai dire, je vais vite vous montrer la pioche. C'est vrai, la pioche, franchement, c'est une scène. Ah ouais, mais j'avais des trucs à craft, là. Je vais te crafter des espèces d'étoiles. Ça te fait des frags d'étoiles. C'est pour échanger avec un espèce de PNG au spawn bizarre que toutes les 5 heures, il y a des échanges privés. Que tout le monde a des échanges privés. Enfin, c'est... Le délire est stylé, mais je capte pas encore tout, j'ai pas au mytho. Dans les coffres, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a. On a enchanté tellement de livres. L'enchantement fortune 3. Oh mon dieu! À l'avoir en livre, à l'avoir en pioche, c'est easy. Genre une pioche comme ça, c'est 3-4 enchantes gros max. À l'avoir en livre, là j'ai dû le mettre en livre pour avoir la pioche. Pouah, c'est dur, hein, mon pote. On a enchanté un DC. Puis autant vous dire que j'ai pas acheté beaucoup de spawners, genre. Enfin voilà, quoi. J'ai spawner à golem bizarre, des trucs de fer et puis un vache. Enfin voilà, quoi. C'est... Voilà. Mais bref. Bref. Et ouais, après ça c'est nos kits, nos conneries. Enfin, la Sky elle a le cancer, j'ai pas au mytho, on a fait ça à l'arrache de fou. Foutre ça là-bas dedans, ça sert à rien. Et je vais juste vous montrer, slash au minage, je vais montrer la pioche. Elle est insane, la pioche, elle est insane. Comme vous savez, je suis pas trop fan du délire acheté avec des PB. Genre. Oh bah. Ouais, c'est là. Regarde-moi ça, gros. Hop, tu vas tout droit. Fortune 3, là, je sais pas combien de dura, la truc, ça se repère. Ouais, ça coûte un peu cher en repère niveau level. Ouais, on va éviter de crever dans la lave. Enfin, genre... Ouais, tu vas tout droit, quoi. Enfin, c'est... C'est full cheaté, cette pioche, c'est full cheaté. Ah, du coup, attends, faut que je décale. Ça fait là. J'essaie de faire du minage petit, en fait, ça le bail. Si on est dans un biome intéressant. On peut trouver de l'émeraude parce que l'émeraude j'utilise pour faire des piments de Hast pour ensuite
Allez, métier minerai doublé. C'est quoi ça? Genre j'ai des minerais doublés en plus du fortune? Vas-y attends, on va trouver un minerai là vite fait. Je sais pas. Bref, comme vous voyez, il y a plein de trucs, je découvre de fou malade. Hein. Il y a vraiment... Ouais, il y a vraiment des trucs que je comprends pas de masse. Niveau moulage, j'ai pas grand chose. Je vous montre aussi. Je viens d'acheter 500 XP. Slash monnaie, j'ai 25k. Le ball top, il est à quoi? 100k, je pense. 150k. Ouais, 150k à peu près. Ouais, 50k pour le top 8. Ouais, en vrai, je suis plutôt pas mal. Hein. Ouais, j'ai pas... Il y a un caisse. Je crois qu'il y a un caisse. Il y a un caisse. La moula, les mobs tués. Ouais, comme vous voyez, j'ai tué 100 mobs. Enfin, je me suis pas bavardé sur les mobs. J'ai uniquement fait mes thunes en minage. Hein. Le minage avec cette pioche, c'est... Enfin ouais, c'est insane. Genre, y a pas d'autre mot. Je comprends pas comment c'est aussi pété. Enfin bref, comme vous voyez, c'est... Ouais, ça monte de fou tes classes. Il faut pas grand chose pour miner. Enfin bref, c'est pas mal. Du coup aussi, moi dans cette vidéo, je vous fais gagner quelques PB. Ça vient de ma poche, je vous fais gagner 10 € de PB. Du coup, tu t'abonnes, tu partages la vidéo et tu likes. Et tu mets ton pseudo in-game en commentaire. Alors, cette vidéo, elle est ultra courte, tu n'auras pas grand-chose parce que moi-même, je découvre le serveur. Je vous fais une vidéo explicative. D'ailleurs, dans la description, il y a tous les liens pour join. Parce que du coup, ça, c'est un launcher. Je l'ai pas dit, mais bon, je pense que ça vient de principe. Je pense que vous connaissez, hein, c'est Nacrab, je vous apprends pas grand-chose. Moi, c'est la première fois que je viens sur serveur, du coup... Ah, c'est un peu nouveau, moi, je galère de fou. Il y a des blocs bizarres, il y a des métiers, il y a des trucs... Enfin, comme tout nouveau serveur, tu vois, tu dois bien commencer par quelque chose, du coup... Je vous fais une petite vidéo où je vous montre ma richesse, entre guillemets, actuellement, de qu'est-ce qu'on a. Enfin, qu'est-ce que j'ai, surtout. Et par la suite, on fera des vidéos un peu plus détaillées, où dès que je comprendrai les bails, en fait, il y aura sûrement des events et tout. Enfin, vous verrez. Du coup, moi, je vous laisse sur cette courte vidéo. Je suis navré qu'elle soit si courte. Mais du coup, dans l'avenir, si jamais pour les nouveaux, si mes vidéos, elles font en tout cas 15 minutes, c'est surtout des grands LP, entre PVP, farming... Il y aura du pillage, il y aura des events, il y aura des conneries, enfin bref. Du coup, moi je vous laisse, c'était Neoz. Et n'oubliez pas pour le giveaway de mettre toutes les infos en commentaire. Allez, à plus les PG. Et il y a plus de gens, c'est Neoz. Du coup, on se retrouve le lendemain de la petite séquence d'avant. Je me suis pas beaucoup aujourd'hui, je pense que j'ai joué 2 heures. Déjà, le spawn, ça fait lag de fou malade, c'est insane leur délire. On lag de fou malade. Bref, ça c'est un truc à revoir peut-être. Bon, il y a pas mal de joueurs là actuellement. Du coup, bah, je m'étais fait un full P4 Axe Zenith. Du coup, bah, j'ai toujours ma pioche 3x3. Et là actuellement, on a été dans la dimension. Du coup, j'ai encore des petits tickets, des petites conneries. J'ai crafté pas mal de bonbons. Les bonbons d'émeraude, c'est tellement simple à avoir. J'en ai crafté la blinde, ça se vend super cher. Du coup, j'ai quelques cristals. J'ai des frags de Volcasia, enfin bref, on avance gentiment. Niveau moula, j'ai beaucoup moins qu'hier. Hier, j'avais 50k, j'ai 14k, j'ai pas mal acheté. Je vais vite vous montrer la sky, ce que ça a bougé. Je pense qu'il n'y a pas grand chose qui a bougé, j'ai pas voulu. Ouais, voilà. On va rajouter des petits coffres un peu de merde. On a rajouté full livre, ouais, toujours la même merde hein, pour en avoir. Là, c'est ce que j'ai ramassé du monde de la dimension. Full Axe Zenith liquide. Autant vous dire, je sais que c'est pour des échanges, mais ce qu'on peut vraiment avoir, si c'est rentable, réel, enfin si c'est cher ou pas. La même chose pour ça, je sais pas si c'est cher. Le bronze, j'arrive à le vendre 1KU, le bloc. Du coup, bah autant vous dire que ça part gentiment. Ah bah voilà, on a carrément presque 2 stacks de blocs. Là, on a quasiment 2 stacks d'orbes de repair. Ça vaut à peu près à ce que j'ai vu des prix. Je n'ai pas encore tous les prix, mais genre 5, j'arrive à les vendre à genre 2KU. Si on tape là, orbe, ouais, comme vous voyez là, moi les miennes, je les vends, j'en vends 10 à 8K. Ça doit être les moins chers même, si je dis pas de bêtises. C'est là niveau vente, j'ai encore, j'ai 5 blocs d'Axe Zenith que je vends, et des bonbons de speed, ça, enfin des bonbons duo là. Ça se vend plutôt bien. Là j'ai un peu d'XP sur moi. D'XP, c'est quand je mine que je la ramasse.
Et niveau, niveau de compte, bah, je voulais faire les quêtes. Le problème, c'est qu'il y a une quête bah, joaillier, on peut pas la faire. Et au niveau des rewards, bah, il y a vraiment pas mal de trucs. Je sais pas exactement où on peut voir les actions. Monstrueux, ouais, ça, on s'en bat les couilles. Bloc miné. Enfin bref, le minage. Tuer un joueur. Ouais, en vrai, c'est pas fou. Le minage est insane. Niveau, comment ça s'appelle? Niveau XP pour le métier. Si vous arrivez à avoir une 3x3, tryhardez ça. Ultra facile après. Les métiers, bah, j'ai juste fait farmer un petit peu. Parce que je sais pas. À vrai dire, ce délire de métier, franchement, je le trouve un peu moyen. Le fait d'aller chercher dans un autre monde les métiers pour avoir des avantages sur le faction. Parce que là, par exemple, ouais, les familiers, bon, il est passé niveau 2, mon machin. Je sais absolument pas ce que ça fait. Logiquement, je peux récupérer quelque chose. Utiliser. Dans un jour, 2 heures. Je peux être tout ce qu'il va me donner, le poteau. Mais on verra. Et niveau kit. Ouais, j'ai toujours les mêmes kits. Ça, c'est tous les kits que j'ai payés, hein, si jamais. Ça, c'est les kits que j'ai payés. Et je recevrai les kits avec le grade partenaire par la suite, logiquement. On verra, on verra. Les gens cherchent les prix OMG. Ouais. Et ceux qui veulent savoir, le ball top est actuellement 260K. Ça va. Enfin bref. Du coup, moi je vous laisse là-dessus. C'était Neoz. Dans la prochaine vidéo, je sais pas, on explorera un peu plus le serveur de Senna. Je sais pas quand il y aura l'unclaim des AP. Je sais pas quand il y aura les bails. On verra ça. Ah, peut-être que j'ai des clés. Là, on va ouvrir les petites clés pour la fin. Vous allez voir au spawn comment ça lag, c'est une scène. Hein. J'ai un bon PC et pourtant, gros, ça tire. Hein. Ça tire, tire, tire. Bon, en même temps, tout le monde a des costumes, tout le monde des machins là. Non, bon, ça va, c'est pas fou. Du coup, moi j'ai des clés or. Ouais. Voilà ce qu'on peut avoir dedans. Moi, je veux juste ça. Le reste, m'en bat les couilles. Ouais, même la thune, je veux pas. Je veux juste ça. À la limite, les frags de je sais pas quoi là. J'ai désactivé le son parce que ça me cassait les oreilles. Je suis navré. Ouais, des perles, ouais, why not? Vas-y, file-moi mes perles là. Hop là. Je préférerais avoir le ticket, j'ai pas au mytho. Je pense qu'on aura encore de l'AD. Un kit gourmand. Je sais pas combien on a de bonbons normaux. Ah, 16! Ah, ça c'est intéressant. C'est juste les bonbons normaux qui m'intéressent. Ouais, c'est bon, c'est cool. Ah, des bonbons dieu aussi, what the fuck? 6! Ah ouais, mais en fait, ça te donne beaucoup trop de trucs en fait, cette connerie. Ok, et une pop shit. Ouais, beaucoup trop de trucs. Aïe 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 aïe. Bon, du coup, on va voir ce que ça raconte. Je vais aller poser tout ça. Et du coup, la prochaine vidéo, je ne sais pas exactement quand je vous la ferai, mais faut qu'on capte un peu tout. D'ailleurs, on recrute, oui. On a un lien forum, oui. Ce sera dans la description, oui, toujours. Mais des gens qui ont un grade. Des gens qui sont avancés sur le serveur, des gens qui connaissent le serveur, s'il vous plaît. Parce que oui, c'est cool de prendre des abonnés et tout, vous êtes peut-être sympa et tout, mais si vous y connaissez rien, vous n'allez rien nous apporter. Et puis, nous, on aimerait quand même avancer, quoi. Enfin bref, il y a un lien forum, je le pose là. Les trahisons, logiquement, c'est pas auto, si je dis pas de bêtises. Du coup, vous pouvez aller postuler. Du coup, c'est enfin la fin de la vidéo. Au final, ce sera une vidéo où j'aurais que parlé, je vais remonter un peu les richesses, les conneries, les machins. Enfin bref, voilà. On va essayer de faire autre chose dans les prochaines vidéos. Du coup, c'est Neoz. Moi, je vous laisse. Allez, à plus. Puis rappelle les cache-toi, tu vas te faire allumer. Les codes ta mère en balle, on est très organisé. Posé dans mon 9-3, je suis posé dans mon 2-3. Hop, c'est un digno, l'eau sort, tu vas te faire allumer.